Bonjour à tous, Christophe 9210, abonnez-vous, partagez des j'aime bien sûr. Bon, j'espère que la vidéo va bien être enregistrée. Enregistrez-la bien. Je voudrais qu'on m'explique comment faire un mois sans salaire. Avec les prélèvements, le crédit de la voiture, Orange, etc. et tout. Comment on fait? Sachant que c'est mon responsable qui s'est plaint. À cause d'un conseil de discipline, j'ai eu un mois sans salaire. Je voudrais qu'on m'explique comment faire quand on a un mois sans salaire. Et j'essaie de m'en sortir, mais en fait, vous savez, j'ai 6 enfants. Ma femme et moi-même, on t'enlève un salaire, c'est très compliqué. Moi, je vous pose la question, comment faire? Parce que c'est très compliqué avec l'inflation, etc. et tout. Comment faire? Je voudrais qu'on m'explique quand même. Parce que moi, j'essaye de calculer, mais à force, on a tiré, on a tiré, on a tiré, mais à force, on n'arrive pas à s'en sortir du un mois sans salaire. Et moi, je voudrais qu'on m'explique. Parce que c'est compliqué, et puis voilà quoi. Allez, sur les gens, je vais vous laisser. Christophe 9210, abonnez-vous, partagez des j'aime bien sûr. Po, 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 po. Et enregistrez bien la vidéo parce qu'apparemment, vous aimez bien m'enregistrer. Je suis votre influenceur préféré. Je rigole parce que vous savez pourquoi j'en rigole? En fait, parce que j'ai pas comment expliquer. Dans un sens, j'ai envie de m'énerver. Mais en fait, j'en rigole parce que ça fait vraiment pitié et tout. Je sais pas. Je voudrais bien qu'à ces gens-là, on leur enlève un mois de salaire, comment ils seront. Juste ça. J'ai voté et j'ai envie de pleurer et tout, de crier et tout, mais en fait, c'est mentalement. Et en fait, ça me. En fait, j'en rigole parce que. Voilà. Allez, sur ce, les gens, je vais vous laisser parce que c'est incroyable. Toutes mes vidéos sont enregistrées. Non, mais j'hallucine. Il y en a, ils travaillent pas, il y en a, ils travaillent pas, c'est pas possible. Pour surveiller toutes mes vidéos, toutes mes vidéos sont enregistrées. Mais, non, mais franchement. En fait, vous voulez quoi, en fait? Vous voulez détruire une famille, tout simplement. Je dis la vérité. Vous voulez détruire une famille de 6 enfants avec ma femme et moi-même. Vous voulez nous détruire, tout simplement. C'est pas possible. Là, un mois sans salaire. Et là, je sais pas trop quoi. Là, ils veulent me mettre encore 3 mois sans salaire. Genre parce que il n'y a pas liberté d'expression, égalité, fraternité, il n'y a pas. Genre, on n'a pas le droit de s'exprimer. Je comprends pas tellement. Putain. Puis le truc qui est le plus énervant, c'est que des gens m'ont dit, ouais, t'inquiète pas, Christophe. Ouais, vous inquiétez pas, Monsieur Camus même. Vous inquiétez pas. On va vous aider et tout. Les républicains, tous les gens que je connaisse et tout. La droite, hein, m'a dit ça. Ouais, t'inquiète pas. Mais non, Christophe, c'est pas normal. Mais non, t'inquiète pas. Non, t'inquiète, on va t'aider et tout, etc. Etc. Après, il se plaint que, genre, je fais des vidéos. Non, mais si, après, j'ai fait des vidéos. J'ai la vérité, franchement, je m'excuse, je suis désolé et tout, je sais pas trop quoi. Parce que si, faut être. Mettez-vous sur ma place. Genre. On vous répond pas par mail. On vous répond pas, etc. et tout. Mon assurance m'aide et tout. Mon conseiller juridique, mon avocat et tout m'aide aussi.
Et après, jour, comme par hasard, et je dis la vérité, c'est pas heureusement que j'ai fait des vidéos, mais grâce à ça, ils ont fait les réparations dans l'appartement. Voilà. Tout simplement. Alors en fait, si j'aurais pas connu les réseaux sociaux, et ben en fait, des non-réponses de mails et tout, ben en fait, on aurait eu un appartement commun. Parce que je veux dire, s'ils auraient jamais fait les travaux, sans le toit, on serait retrouvé comment? Sachant que ça a été déclaré par notre assurance et tout. Hein. J'ai tout plein de preuves, je peux vous montrer tout. Puis après, je suis pas un menteur. Hein. Je peux vous montrer. Hein. J'ai l'arrêté tout là qui est là. Un mois sans salaire. Hein. Je suis pas un menteur. Pourquoi je vais mentir? C'est pas dans mon intérêt. Mais c'est pour dire comme quoi que, en fin de compte, partout où je vois, en fait, si t'as pas les réseaux sociaux sous la main, eh ben en fait, tu te fais bouffer. Tu te fais bouffer. T'es limite un mouton, il faudrait te taire, faudrait s'écraser. Voilà quoi, en fait, c'est normal. On a droit de jouer au chantage, etc. et tout, tranquille. Voilà quoi. Attends. Je veux bien, mais au bout d'un moment, moi je veux bien être gentil et tout, mais voilà quoi. Au bout d'un moment, j'ai 6 enfants et tout. Faut arrêter. Franchement, je sais même plus quoi dire, franchement. Je suis. Et en fait, c'est pas ça, mais je suis désespéré, je sais pas quoi faire, parce qu'en fait, tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, ils enregistrent tout. Ils enregistrent tout. Mais c'est hallucinant. Wow. Tout ça pour détruire une famille qui demande de l'aide, et qui demande de l'aide, tout simplement. C'est là où tu vois que, en fait, dans cette société, faut pas avoir d'enfants, faut pas avoir de femmes. Faut être célibataire. Hein. Parce que je sais pas, les gens ils aiment pas les enfants, ou je sais pas. Les gens ils aiment pas quand il y a un couple qui a du bonheur avec des enfants et tout. Je sais pas en fait, ils aiment pas le bonheur ces gens-là. C'est pas possible, ils ont la haine, ils ont la haine. Ou ils sont jaloux. Jaloux. Parce que des gens, il faut dire, ils sont jaloux de nous quand même. On a fait 6 beaux enfants. Ma femme et moi-même, on fait un beau couple et tout. On est mariés, ça fait 10 ans. Ah ouais. En fait, qu'est-ce qu'il voudrait en fait? Je suis sûr de ça. En fait, qu'est-ce qu'il faudrait? C'est détruire notre famille. Et en fait, il voudrait qu'on se sépare. En fait, c'est ça que vous cherchez. Mais en fait, on s'aime tellement. Il y a tellement de l'amour dans notre famille que voilà quoi. Et puis le truc, ce que j'hallucine, c'est la personne qui enregistre les vidéos ou qui ça a été dit comme quoi je galère un mois sans salaire. Et ça choque personne. Ça choque personne de se retrouver un mois sans salaire. Je comprends pas. Je comprends pas. Puis là, vous voulez mettre 3 mois sans salaire? Et je fais comment? Je fais comment? Eh, je voudrais qu'on m'explique. 3 mois sans salaire, je fais comment? Je fais comment 3 mois sans salaire? Eh, je voudrais qu'on m'explique. Déjà, j'ai pris un mois, j'arrive pas à m'en sortir. Alors là, vous allez mettre 3 mois sans salaire, je fais comment? Bah, moi, je sais qu'on m'explique. Hein. Je voudrais qu'on m'explique. 3 mois sans salaire, sachant que j'ai 6 enfants, ma femme. En fait, vous voulez nous détruire, tout simplement. Vous voulez détruire les gens, c'est pas possible. Je vois que ce mot-là. Hein. Détruire les gens. Franchement, Miskin, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, j'ai envie.
Je comprends pas c'est quoi votre but de détruire une famille, je sais pas. Bon, je vais me balader. En plus, je dis la vérité, c'est pas. Genre, je fais des vidéos pour le plaisir. Vous croyez que c'est quoi les vidéos là, que je fais? Les vidéos que je fais, c'est pour le bien-être de ma famille. Voilà quoi. Et après qu'on m'explique un mois sans salaire, comment on fait. Et les gens, je voudrais qu'on m'explique parce que sincèrement, nous on a cru qu'on allait s'en sortir, mais avec l'inflation et tout, etc., on s'en sort pas. Et lui, il veut mettre 3 mois sans salaire. Non, mais vous vous rendez compte? 3 mois sans salaire? Je fais comment? On fait comment pour vivre? On fait comment pour manger? Bon, allez, ce gens. Alors, c'était une mutation qu'il fallait. Alors que, tout simplement, qu'est-ce qu'il fallait dès le début? Vu que l'appartement se dégradait, il suffit juste de ça, d'une mutation, avec un logement correct, et l'affaire est réglée. Là, en fait, vous voulez détruire, nous détruire, tout simplement. Je dis à voter, vous voulez nous détruire, hein, tout simplement. Puis après, j'allais dire, mais vous savez quoi? 3 mois sans salaire, vous croyez que je vais pas demander de l'aide? Et oui, évidemment, je vais demander de l'aide. Je vais aller où? Au Resto du Cœur. Je vais aller où? Je vais aller à la CAF. Je vais aller où? Je vais aller à la Sécurité sociale parce qu'obligatoirement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais plus pouvoir payer ma mutuelle. Je vais plus pouvoir payer l'assurance. Je vais faire comment? 3 mois sans salaire, je vais faire comment? Expliquez-moi, les gens. Je voudrais qu'on m'explique comment je vais faire pour payer les factures, etc. et tout. Même là, déjà, le 1 mois sans salaire, même déjà là, c'est la crise financière sur mon compte, et le compte de ma femme, etc. et tout. Et je suis limite là. Bon, ça va, on a encore le plein de couches, plein de riz, plein de boîtes de conserve, etc. et tout. Mais je dis la vérité, dès que ça va réduire, avant que ça réduise, bah, je ferai une vidéo quand je vais aller au Resto du Cœur. Comme ça, j'ai montré aux gens. Voilà, tout ça, parce qu'on m'a mis 1 mois sans salaire et tout, et puis je vais expliquer, hein. Moi, c'est pas longtemps, voilà, à cause de ça, et ben voilà, je suis obligé d'aller au Resto du Cœur, je vais à la Sécu, etc., la CAF et tout, et ben ouais. Voilà. Je continue la vidéo comme ça. Ça laissera plus de temps pour enregistrer parce que apparemment il y en a, ils ont le temps pour enregistrer. Alors, on va laisser le temps d'enregistrer. Attendez. Ouais, parce qu'il y a le temps. Et moi, j'en rigole parce que forcément, je vais vous dire la vérité, je vais pas pleurer. Ces gens-là, ils seront trop contents. Genre, je vais pleurer et tout, etc. Ben non, je dirais tout simplement, regardez. Ils m'ont mis 1 mois sans salaire, je peux pas m'en sortir. Voilà, tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'ils parlent? Ils vont me mettre 3 mois. Bah, moi, après, je vais me plaindre. Hein. Vous croyez quoi, les gens? Vous croyez que je vais rester comme ça chez moi à attendre que ça se passe? Ah ouais. Même déjà là, j'ai appelé la GMF, j'ai appelé la mutuelle et tout. J'ai demandé des reports, des échelonnement pour payer en plusieurs fois, mais ça veut dire qu'il y aura des petits frais et comment dire des comment ça s'appelle la mensualité sera plus, mais en fait quand je regarde bien, même si on fait ça, ça sera quand même la galère parce qu'automatiquement les prélèvements sont plus hauts. Alors en même temps, je suis en train de réfléchir s'ils me mettent là les 3 mois, je voudrais qu'on m'explique.
comment on va faire? Bah après ça va, heureusement qu'en France il y a les aides. Hein. Je dis la vérité, en France il y a la CAF, il y a les Restos du Cœur, il y a des aides aussi, hein, faut pas rêver. Hein. Moi je vous fais les vidéos hein, quand je vais. Allô, s'il faut y aller au Resto du Cœur, et ben j'y vais au Resto du Cœur. Hein. Voilà quoi. C'est malheureux d'en arriver là, mais je ne sais pas comment je vais faire. Non, non. Je laisse tourner hein, parce que je cherche dans mon cerveau encore d'autres trucs à dire parce que il y aurait tellement de trucs à dire qu'en fait je peux écrire un livre, je peux écrire un livre, je peux écrire un roman et tout. Wow. Puis le truc qui est dingue, c'est marrant. Tout ce que j'ai dit de bien, par contre, ça enregistre pas. Mais par contre, tout ce qui est dit de mal ou critique ou quoi, ah, là, c'est enregistré. Et puis, je comprends pas les gens qui m'attaquent. Pourquoi vous attaquez pas des gens qui sont de votre niveau? Là, vous attaquez un plus petit que soi. Genre un petit agent d'entretien avec ses 6 enfants et sa femme. Mais pourquoi vous attaquez pas des gens de votre niveau? De votre niveau. Au moins, voilà quoi. Mais là, vous attaquez un petit que soi. Je dis la vérité. Moi, je comprends pas. Attaquez-vous. Moi, je sais pas. Moi, imaginons, je sais pas, j'aurais été une grosse tête et tout. En fait, ça fait plus plaisir. Genre, tu gagnes quelque chose avec. Non, par exemple, quand je joue à la console, quand je joue avec quelqu'un qui est plus fort que moi, etc. et tout. Et tout d'un coup, je le bats. Ah, là, c'est une fierté et tout. Je bats quelqu'un qui est au-dessus de moi. Mais franchement, de battre quelqu'un qui est en dessous de moi, franchement, pour moi, ça fait pitié, en fait. Je vais pas. Genre, quand je joue à la console et tout, et puis je vois la personne qui est faible, en fait, je vais pas rejouer avec lui sur les jeux de foot. Je vais pas rejouer avec lui. Pourquoi je vais jouer avec lui? Déjà d'une, je vais pas progresser. Et puis après, c'est mieux je tombe sur quelqu'un qui a le même niveau que moi ou qui est au-dessus. Comme ça, je m'améliore. Mais là, en fait, vous êtes qu'un petit. Puis attendez, attendez, vu que ça enregistre. Moi, j'ai mon temps, là. Vous aussi, vous avez le temps. Je pose juste mon téléphone là. Parce que je vais me mettre en pyjama. Je vais me mettre en pyjama. Attendez, attendez, j'arrive. J'arrive, je vais me mettre en pyjama. Attendez, attendez, j'arrive. Je vais mettre mon pyjama. Qu'est-ce que je vais mettre comme pyjama aujourd'hui? Parce que ça enregistre, attention. Ça enregistre. Re les gens, voilà, j'ai mis mon beau pyjama Barbie. Je vais bien dormir cette nuit. Allez, avec mon t-shirt Barbie. Voilà.
Mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi tant de haine, tant de méchanceté, tant de... Voilà. Et puis je comprends pas. La vie est tellement compliquée. Pourquoi vous rendez les gens encore plus compliqués la vie? Et la vie, elle peut être simple, etc. et tout. Non, en fait, franchement, vous me rendez trop la vie compliquée, mais c'est pas possible. Après, je vais être obligé de faire des démarches et tout, etc. Comme si j'avais pas assez de mes 6 enfants et ma femme m'en occuper. Mais non, faut que je m'occupe des bras et tout. Et puis, sans compter les téléphones, attendez. Quand vous voyez tous les coups de téléphone qu'il faut passer, entre la mutuelle, etc. et tout, moi, ça, c'est du temps perdu avec mes enfants. Si, c'est vrai, attendez. Voilà, quoi. T'as quelque chose à dire, chérie? Non, c'est fatigant. Voilà, ma femme, elle n'a plus rien à dire. Puis là, moi, je vais me coucher parce qu'en fait, c'est fatigant. On va aller se réconforter. Et puis, c'est pas ça, En plus, c'était pas méchant et tout, c'est juste pour demander de l'aide. Moi, franchement, j'aurais, loin de là, j'aurais pas fait les vidéos, etc. et tout. Si franchement, on avait un logement correct et tout, etc., j'aurais jamais fait tout ça. Mais moi, c'est pas de ma faute, c'est quand j'envoie des mails, même mon assurance envoie des mails ou des courriers ou quoi, et puis ça répondait pas, etc. et tout, et puis après, la preuve, ils font quand même les travaux. Alors. C'est ça que je comprends pas. 22 minutes la vidéo. Ça suffit pour qu'ils enregistrent. Allô? 22 minutes la vidéo, ça suffit pour qu'ils enregistrent. Ouais. En clé USB, ça va passer. Mémoire saturée. Mémoire saturée. Ça serait non. Ça serait bien que certaines mémoires soient saturées pour faire un reboot. Bon allez, c'est bon. Là, je crois que c'est bon la vidéo là, parce que en fait, je sais plus quoi dire, parce qu'en fait, c'est gonflant, c'est souvent, c'est fatigant. Puis dire qu'il y a la solution à portée de main. L'affaire, elle serait réglée et tout, etc. Mais non. Ce que j'allais dire dans cette affaire-là, en fait, tout le monde est perdant dans cette affaire-là. Tout le monde est perdant. Tout le monde. Parce que, comment dire, après, moi, je compose la question, comment faire après pour aller retravailler là où tu as eu des problèmes? Comment faire? Moi, je voudrais qu'on m'explique comment faire, parce que moi, je veux bien, mais même moi, actuellement, qui est en dépression et tout, et puis il faut pas rêver. Des gens vont dire, ouais, il fait des vidéos, ceci, cela, et ben, je dis heureusement, parce que sinon, je serais en pubactère. Hein. Parce qu'il faut pas rêver, hein. Là, je suis calme et tout, etc. et tout, parce que je dis la vérité aussi, peut-être il y a les cachets aussi qui me font du bien, ou me calmer, etc. et tout, mais au fond de moi, je suis énervé. Voilà quoi. Puis après, j'ai dit, bah, après, voilà quoi. Dieu m'en connaît en bonne santé et tout. Je vais pas trop me plaindre. Dieu merci, on est en bonne santé. Dans la vie, il y a plus grave. Qu'est-ce qu'il faut. C'est ça, en fait, ce qu'il faut dire. Dans la vie, il y a plus grave et voilà.
Non, mais le truc qui est grave, c'est qu'en fait, ils ont tant de regarder mes vidéos, etc., tous mes réseaux sociaux et tout, etc. Et quand t'envoies un mail, tu poses des questions, ça répond pas, c'est incroyable quand même. Wow. Ouais, mais franchement, je suis choqué. T'envoies un mail et tout, t'as pas de réponse à tes questions. Par contre, les vidéos, ça s'enregistre, etc. et tout. Y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Les gens, ils peuvent dire, genre, c'est moi le problème, c'est pas moi le problème. Je comprends pas. En tout cas, ce que je m'aperçois, il y a beaucoup de gens qui ont du temps à regarder mes vidéos enregistrées, je sais pas trop quoi et tout, là. En fait, qu'est-ce qu'il faudrait, en fait? Il faudrait rien dire, se taire et tout, rien faire. Pff. Bon, allez, ce, je vais vous laisser. Christophe92110, abonnez-vous, partagez déjà, bien sûr. Pou, 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 pou.